19h. Depuis l'annonce des cas confirmés du Mpox dans un pays frontalier, les autorités sanitaires maliennes restent mobilisées pour préserver notre pays de ce virus. Elle se dit déjà disposée d'un plan de riposte, même si aucun cas n'a encore été détecté dans notre pays. Les détails, ça sera dans cette édition. Les humanitaires ont payé de lourds tributs dans l'exécution de leur mission au Mali. Depuis le début de la crise sécuritaire dans notre pays, certains humanitaires ont été enlevés et d'autres ont même perdu la vie. Les précisions, ce sera dans ce 19h. Le procès Bakary Togola est co-accusé, suspecté de détournement de deniers publics, a commencé ce lundi. Et si pour les avocats de la défense, il n'y a pas d'atteinte aux biens publics, mais plutôt aux biens sociaux, le procureur de la République pense le contraire. La contradiction des stratégies à suivre dans ce journal-là. Et voilà donc pour les sommaires. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h sur la télé totalement vôtre. Le ministère de la Santé et du Développement social a organisé ce mardi 20 août 2024 une conférence de presse sur le virus Mpox. L'objectif de cette conférence de presse est d'informer et de sensibiliser l'opinion nationale sur ce virus à travers les ondes de médias. Les autorités sanitaires ont rassuré que le Mali dispose déjà d'un plan de riposte, même si aucun cas n'a encore été détecté dans notre pays. Le compte-rendu est signé à Citon Diallo, Zakaria Omar Keïta. Depuis son apparition en 2022, il y a eu 37 583 cas de malades avec 1451 morts selon Africa CDC. Heureusement, aucun cas n'a été détecté au Mali pour l'heure. Mais le pays est en alerte totale et dispose d'un plan de riposte. Depuis janvier 2022, jusqu'à ces jours, nous avons enregistré environ 38 465 cas dans 16 pays africains et avec 1456 décès enregistrés. Sur le plan surveillance proprement dite, il faut retenir qu'au Mali, déjà nous avons dans notre système un personnel formé dans l'ensemble des districts sanitaires de la région. Le personnel est formé en épidémiologie de terrain, que ce soit la première ligne, le front line ou que ce soit le niveau intermédiaire, qui sont capables de conduire des investigations. Et depuis que l'alerte a été donnée, les informations ont été véhiculées en vue de déclencher des investigations et des prélèvements qui seront envoyés à l'Institut national de santé publique. Aussi, nous avons du personnel formé sur la télédermatologie. Dans le cadre de la préparation et la riposte, nous avons déjà un plan drafté. Et nous avons aussi des équipes d'intervention rapide qui sont déjà formées sur le terrain et qui sont prêts à intervenir. Il faut souligner que le virus Mpox est différent de la rougeole. Donc, pour avoir le cœur net, il est important de se rendre dans une structure de santé. Certes, il s'agit d'une maladie transmissible, mais la maladie peut être évitée. À la 30e semaine épidémiologique 2024, des cas ont été confirmés dans un pays voisin. Donc, nous avons mis l'alerte et à la date d'aujourd'hui, jusqu'à présent, le Mali n'a encore notifié aucun cas. Mais nous sommes obligés de prendre des dispositions au regard du caractère contagieux du virus. Vu qu'il y a beaucoup de mobilité, comme le représentant de l'OMS a dit, il y a des voyages entre ces pays, les avions viennent même par la voie terrestre, tout est possible. Ensemble, nous allons faire le meilleur et nous allons faire tout ce qu'on peut pour éviter au plus cette maladie. Et on ne souhaite pas, au cas où ça viendra au Mali, rassurer les populations que toutes les dispositions sont prises par nous et par nos partenaires pour avoir la meilleure prise en charge pour nos populations. Le virus est déjà présent en Côte d'Ivoire, pays frontalier avec le Mali. Donc, l'alerte est lancée et il est demandé à toute la population de rester vigilante
et de prévenir en cas de symptômes suspects. Pour plus d'informations, le numéro vert 36 061 est disponible. Les fortes pluies du samedi dernier, en plus des inondations, ont endommagé certaines parties des routes goudronnées en commune 6 du district de Bamako. Cette dégradation a rendu difficile la circulation sur ces tronçons. Notre reporter Bakary Mcdibé est allé faire le constat ce matin pour Au Nouveau Télé. Je vous propose ici de suivre ce reportage. Ce n'est pas seulement les concessions qui ont payé de lourds tributs à l'inondation de samedi dernier. Les eaux de pluie ont aussi endommagé plusieurs parties de la route reliant une situation qui perturbe la circulation sur ce tronçon en ce début de semaine. Le mauvais état des routes nous cause énormément de tort dans notre travail. Il fait partie des sources de tensions entre nous et nos patrons. Tout le temps, nos véhicules sont en panne. C'est difficile de trouver la recette journalière. C'est pourquoi beaucoup parmi nous sont en chômage. Nous ne pouvons pas circuler correctement car la route est en mauvais état. Quand les routes ne sont pas bonnes, la circulation devient difficile. Nous avons tous nos papiers, assurance, visite technique, tout. Selon des habitants de Misabougou, la responsabilité de ces inondations récurrentes dans leur quartier incombe à tout le monde. Nous avons tous notre part de responsabilité dans cette situation. Les gens ont construit non seulement dans les lits des maricots, mais aussi sur les passages d'eau. Nous sollicitons l'aide des autorités compétentes pour venir en aide aux habitants de Misabougou, car nous avons besoin d'un bon colecteur pour faciliter l'évacuation des eaux de pluie à Misabougou. Pour y remédier, il propose des solutions. Les autorités chargées des routes doivent faire des inspections pour s'assurer du bon état des routes, surtout pendant l'hivernage. Cela permettra de résoudre les problèmes routiers auxquels nous assistons pendant l'hivernage. Au cours de notre passage, des agents de la mairie de la commune 6 étaient sur place pour constater des vicissures. Il rassure que des dispositions seront prises pour préparer la route aux endommagés par les autorités compétentes. Donc les autorités communales ont initié vraiment des procédés au curage pur et simple de ces caniveaux et de ces collecteurs que vous voyez ici. Donc ce n'est pas le seul quartier de Misabougou. Donc cette opération et les maires, les bureaux communaux et l'ensemble des conseils de la commune 6 vraiment sont plus que déterminé, la mairie est là pour le bien-être de l'ensemble des populations. Donc, tout ce temps, on a constaté ça ce samedi. Donc, les maires et l'ensemble des conseillers. Mais l'urgence est encore plus là. Donc, déterminés que nous sommes. Donc, pour que de tels cas, qu'il n'y ait plus de sinistres, on s'est dit aujourd'hui, il va falloir sillonner l'ensemble des quartiers là où il y a urgence, là où il faut intervenir maintenant et tout de suite. En tout cas, des mesures urgentes doivent intervenir car d'autres fortes pluies sont annoncées par Mali Météo avec des risques d'inondation. Pour un temps soit peu éviter la dégradation des routes et réduire les risques d'inondation et faciliter l'évacuation des eaux de pluie, la mairie de la commune 6 du district de Bamako a lancé ce mardi 20 août 2024 une opération d'évacuation des déchets qui bloque le passage des eaux spécifiquement à Misabougou. Elle permettra de mettre les populations à l'abri des risques d'inondation. Bakary Mcdibé nous revient. Il y a d'autres zones qu'on avait prévues, mais comme il y a eu une inondation à Misabougou, à Irimadio, le week-end dernier, donc les autorités communales, sous le leadership du maire de la commune, M. Boubacar Keïta, vraiment a décidé, n'est-ce pas,
de faire une opération d'urgence au niveau de cette zone de Missabougou. Donc ce matin, nous sommes là dans ce cadre-là pour que vraiment ce qui s'est passé ici soit un mauvais souvenir. Donc il est prévu non seulement d'évacuer ces tas de déchets que vous voyez derrière moi et également les caniveaux qui sont aux alentours. Donc les jours à venir, nous allons essayer vraiment de les curer pour que cette inondation qui s'est passée ici soit un mauvais souvenir. Ça ne suffit pas, mais on va faire de notre mieux. On a dit de ne pas verser de l'eau, des ordures dans les caniveaux. La salubrité, c'est pour tout le monde. C'est pour notre santé. Je demande à la population de Missabougou, ce n'est pas Missabougou seulement, toute la commune 6, les ordures, on ne verse pas sur le goudron, on ne verse pas dans les caniveaux, parce que c'est ça qui amène l'inondation. Depuis le week-end passé, le ministère de la Jeunesse a fait un lancement opération Mon Quartier Propre pour la sensibilisation et le curage des caniveaux. Nous avons déjà commencé ce travail et qu'aujourd'hui, hier, nous étions partis voir les sinistrés. Aujourd'hui, nous sommes venus faire un état de lieu, comment nous pouvons faire quelque chose et lancer un appel aux jeunes, à toute la jeunesse de la commune 6 de nous rejoindre pour faire le curage des caniveaux au niveau de Missabougou et Irimadjo. Nous allons d'abord commencer la sensibilisation, sensibiliser la population à ne pas jeter des ordures dans les caniveaux et en même temps à faire les travaux, faire le curage des caniveaux. Nous pensons bien que si nous faisons le curage des caniveaux dans les deux quartiers, ça va permettre quand même à l'eau de passer très rapidement, quoi. Les inondations de cette année, en plus de causer des pertes humaines et des dégâts matériels importants, menacent également les récoltes. Plusieurs zones de culture comme Bankas, connues pour être un très important réservoir de mil, ont vu leurs champs submergés par les eaux de pluie. L'état des lieux dans cette localité avec Maïmouna Ouidraouk. Les inondations provoquées par des pluies diluviennes tombées dans la nuit de vendredi à samedi 17 août 2024 ont causé d'importants dégâts dans plusieurs villages. Ces eaux de pluie ont détruit des champs de mil, effondré des maisons et des greniers, noyé des animaux et coupé des pistes. Plus d'une vingtaine de villages de 8 communes sur les 12 cercles de Bankas ont été touchés par ces catastrophes. Il s'agit de Wenkoro, Bayi, Djalassagou, Sokoura, Ségué, Kani, Dimbal et Bankas. À Bafoulabé, les pluies diluviennes ont causé aussi d'importants dégâts. L'eau a envahi les villages de Nema, de la commune rurale de Mahina, détruisant sur son passage une vingtaine de maisons et emporté 6 ânes et de nombreuses volailles le dimanche 18 août 2024. Selenkeni et Gurundapé, deux villages de la commune de Bafoulabé, ont également subi le même sort, avec des maisons effondrées, des volailles perdues et des vivres détruits. Dans ces localités, les victimes ont été relogés dans les écoles. Banamba, des champs ont été inondés, environ 120 hectares de mil, 14 hectares de sorgho et 4 hectares de riz ont été inondés à CBT dans les cercles de Banamba suite à la grande pluie qui s'est abattue dans la commune le mardi 6 août dernier. La situation est identique dans plusieurs localités, ce qui provoque des inquiétudes sur les récoltes, surtout que le Mali Météo annonce d'autres inondations et des pluies jusqu'à novembre prochain. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire célébrée ce 19 août 2024. Les responsables des organisations humanitaires ont relevé les misères de leur mission au Mali. Depuis le début, certains ont été enlevés et d'autres ont même perdu la vie. Le point avec Gabriel Keïta. En effet, selon le coordinateur humanitaire par intérim du PNUD, Maï Diop, au Mali, 151 cas de violence ont été enregistrés contre les travailleurs humanitaires. Il a révélé que 2 humanitaires ont perdu la vie et 7 ont été enlevés ou détenus depuis le début de l'année. Au mois de juillet, seuls 20% des 701,6 millions USD requis dans le cadre du plan de réponse humanitaire ont pu être mobilisés. Le représentant résident du PNUD a aussi indiqué que les acteurs humanitaires ont pu secourir 576 000 personnes sur les 4,1 millions de personnes ciblées. Enfin, selon le champ, au 30 juin, 154 acteurs humanitaires ont fourni une assistance humanitaire à travers le Mali dans plusieurs secteurs, dont la santé.
La cour d'assises de Bamako a entamé ce lundi le procès relatif à l'un des dossiers les plus attendus de cette session consacrée aux crimes économiques et financiers. Il s'agit de l'affaire dite des ristournes des cotonculteurs, dans laquelle l'ancien président de l'APECAM, Bakary Togola, et ses co-accusés sont suspectés de détournement de deniers publics. Et si pour les avocats de la défense, il n'y a pas d'atteinte aux biens publics, mais plutôt aux biens sociaux, le procureur de la République pense le contraire. Notre reporter Amadou Jara y était. Suivons son reportage. C'était l'un des dossiers les plus attendus de cette session consacrée aux crimes économiques et financiers. L'affaire dite des ristournes des cotonculteurs, dans laquelle l'ancien président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, Bakary Togola, et ses co-accusés sont suspectés de détournement des deniers publics. Au total, 11 accusés, dont certains étaient en liberté provisoire, ont tous comparu à la barre ce lundi pour des faits d'atteinte aux biens publics. Complicité. Faux et usage de faux. À 10 heures, les débats ont débuté. Des exceptions ont été soulevées par le procureur de la République et par les avocats. Les débats ont commencé par l'audition de Bakary Togola, qui a pris suffisamment de temps. S'en est suivi l'audition de Djigiba Di Anfa Koulibaly, qui était vice-président de la Confédération. Les accusés ont nié tous les faits qui leur sont reprochés. Au cours des débats, les conseils ont soulevé la nullité de la procédure, mettant en avant la législation communautaire de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, dans laquelle les biens de coopératives et des sociétés ne sont pas considérés comme des biens publics, mais comme des biens sociaux. Cependant, selon le ministère public, l'initiative de la Confédération a été encouragée par l'État malien. De plus, il est évident que les fonds de la Confédération, qui est un organisme coopératif, proviennent de la CMDT dont l'État est associé majoritaire. De ces faits, les deniers détournés sont les biens publics. Faut-il rappeler que les mises en cause doivent répondre à la disparition de plus de 9 milliards de francs CFA sur un montant de plus de 13 milliards de francs CFA au préjudice de la Confédération des sociétés coopératives de producteurs de coton du Mali durant la période allant de 2013 à 2019. Ce procès s'étendra jusqu'au 30 août, soit 11 jours. Cette édition est terminée. Je vous dis au revoir avec cette très bonne nouvelle qui est à l'honneur de tout le Mali. Bintou Flamousso Diallo, la première nationale au baccalauréat malien en session de juin 2024, a remporté la médaille de bronze à la phase africaine des Olympiades en mathématiques. C'était en Afrique du Sud. Félicitations à elle et à travers elle à tout le pays. Merci d'avoir suivi cette édition. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Au plaisir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonsoir.